Hey! Et salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va essayer la branche Cyan, une branche que j'aime bien. Mais d'abord, nous allons placer la laine que nous avons eue dans le dernier épisode, la laine rose. La voilà. Et voilà. Donc en fait, il nous reste encore une ici et quatre autres là. Donc à chaque partie qu'on veut faire, il va falloir aller sur l'île. Donc là, cette fois, c'est la île derrière moi qui est l'île bleue. Et donc, pour le faire cette fois, je pense que ça doit avoir un rapport avec un levier. Ça a ouvert un passage, ok. Ah, c'est assez sombre. On se retrouve dans un mineshaft. Et c'est la branche Escape. Ça fait mal. Ah ouais, c'est efficace, hein. Ok, donc là, on a un petit truc. Peut-être qu'il y a quelque chose caché. Oui, il y a quelque chose caché. Ah non, en fait, il n'y a rien. Nope. Bon, il y a des secrets dans la map. Et je crois que celui-là, c'en est pas un. Allez, sur le petit portail. C'est parti. Ah, lui aussi s'appelle Cold, excellent. Ok, ok. Je commenterai pas ce ton. Je commenterai pas. Alors, on va se mettre sur les WC et on va regarder. C'est passé quoi là? Ok, donc en fait, on se retrouve dans une prison. Et l'objectif, c'est d'avoir la laine Cyan. Pour cela, il faut sortir de la cellule déjà. Ah, ok, bah c'était juste un code très simple. Ah, c'était pas si simple. Je pensais que ça allait être si facile. Yes, c'est parti pour un tour. Regarde ma création. Oula, ça risque d'être compliqué. Plus compliqué que la petite truc du début là. Alors, on va sortir de là. Waouh, mais c'est quoi ce machin? Ouais, c'est une cité de laine avec plein de pièges, un truc comme ça, je pense. On va voir. Ok, bah on est arrivé. Bah on va monter l'escalier. Hein. Et c'est numéro 1, les piliers à puzzle. Ah, mais c'est pas con. C'est intelligent. Du coup, comme ça, puis comme ça. Oh, mais c'est trop bien. Il fait peur, hein. Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remballer tout ça. Remballer aussi celui du haut. Et comme ça, on va pouvoir faire le petit jump. Voilà. Et on peut monter les escaliers. Non. C'est là que tu vois que la map a un peu daté, là. Un vieux dab. Ok, despawn. Donc j'imagine que c'est par là. Ok, maintenant, le but, c'est de me faire péter. Ok. Ok. Évidemment, tu sais comment tu sais comment jump. J'ai pas la référence. Désolé. Ok, donc là on a notre premier checkpoint. Ça veut dire que si je meurs, c'est pas grave. Ça c'est bien. Donc là on a un bouton, je me dis que c'est ça. J'ai obtenu ça, ok. J'ai obtenu un arc. Glorious Bow avec flèche infinité. Oh non, ça c'est pas gentil ça. Je peux plus sauter. Est-ce que je peux sauter au moins ici? Ouais, c'est bien. Donc si là je peux pas sauter, je suis obligé de faire ça. Ouais, ça a un rapport avec ça. Ok, ensuite. Ah non, mais s'il n'y a pas de jump autorisé, comment on fait? Ah, ok, c'est bon. Ça, c'est quand il se moque de moi. Ok, c'est bon. Donc là, il nous fait toujours la farce. Hein. Et là, je peux pas sauter, toujours. Ah, une échelle, merci. Ça, c'est sympa. C'est le premier checkpoint. Je sais pas quoi faire. Hein. Ah, faut que je touche le bouton, en fait. J'avais pas compris. Okay. Ah, mais si je vais vite, normalement, je passe au-dessus. Voilà. Je savais même pas qu'on pouvait passer au-dessus en courant. Je pense qu'il faut passer en face. Ok. Donc on passe à l'étape supérieure. Là c'est où? Ah oui, là un checkpoint. Là j'imagine qu'il faut encore mettre une flèche. Ça fait un peu loin là maintenant. Voilà. Je comprends rien. Faut aller où? On va dire qu'il faut aller là-bas. J'ai pas le droit de sauter, donc on va dire qu'il y a d'autres plus bas. Non. Il n'y en a pas d'autres plus bas. A few moments later. Je suis coincé toujours sur le même truc. Oh mais on se croirait dans la branche puzzle, au secours. C'est pour ça que je la fais qu'en dernier, moi, la branche puzzle, parce que je sais que c'est le pire truc. Je commente pas. Je commence à devenir dingue. Ça y est, je sais. Normalement, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, du coup, après, je peux me mettre sur la planche. Et faire tourner le truc. Ok. Et après, c'est la même chose. Ok. Encore un. Voilà. Ok, donc là, on a encore un... Oh, merci de me... J'aime bien ta poignée de main. D'accord. Il savait que tout le monde allait appuyer sur ce truc-là, donc il a fait la code d'erreur du texte. Oh, je peux sauter maintenant, c'est bien. Un foyer d'hiver. D'accord. On voit qu'il fait nuit. Il y a une potion sans effet 2. Ok. Un coffre. Ok. Des objets sans goût. J'imagine qu'il faut que j'augmente la difficulté de mon jeu si je veux que tu restes ici pour toujours. Très rassurant. Des items sans goût, ça se trouve, ça sert vraiment à rien.
Ah, ok, je vois ce que ça veut dire. Flashback. Non. Aïe. Non. Oh, je me suis arrêté au pire moment. End of flashback. Ok, alors, ne l'explose pas. Knockbacks. Mais c'est de pousser tous les creepers. J'ai du mal à savoir ce que ça veut dire, ça. Je comprends pas. Ah si, faut que je le mette sur l'autre plaque, peut-être. Ah, c'est dur. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est pas passé loin. Non. 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 Oh, c'est une torture. Ah, c'est du lancer de creeper, le truc. One eternity later. Oh. J'ai réussi à en mettre un sur une plaque. Oh, ça a marché. Ça a marché alors qu'il s'est pas arrêté sur la plaque. J'ai eu de la chance. A Stormy Library. Ok, il m'envoie là. De tout ce qu'il voulait dire, après c'est du blabla. Ah bah il est là. Eh bah il est pas là. Il est là mais il est pas là. Ok, j'ai failli tomber avec. Ah, c'est par là le chemin. Va avec le flow. Ah ok, en fait il va falloir... il va falloir aller avec de l'eau, faire du jump d'eau. Particulièrement compliqué mais c'est pas grave. Ok, ça c'est fait. On a le seau d'eau. Hop, alors le seau d'eau. Gravel bucket. Ah, il marche que sur du gravier par contre. Oh non, il y avait un mur en fait, faut que je refasse tout le jump. Bon, moi c'est reparti pour un tour. Ok, ça c'est fait. Maintenant, va falloir... Ouais, ça, tout le monde l'a fait déjà. Hein. La vieille technique là, du saut d'escalade avec de l'eau. Ah, pourquoi je peux pas poser? Ah ok, c'était un bug. Ok, c'est bon. Ensuite, ah, là nous avons un petit checkpoint. Une échelle. Hein. On va voir en dessous. Hein. Ok. En gros, il dit qu'on le fait trop vite. Mais du coup, bah, il a même pas eu le temps de manger son popcorn. Bon. Mais il pense que le prochain va être beaucoup plus difficile. Donc, j'imagine qu'il faut monter. Il va encore avoir des objets inutiles. Ah non, des choupes de champignons. Ça va être avec des fils de couleur. Et let's go. Sauf que le truc, c'est qu'on peut pas avoir une vue en 3 dimensions puisqu'on est au-dessus de la lave. Normalement, c'est celui-là. Mais comment on fait pour le... Il faut que j'appuie ici. Un nouvel objet. Une cisaille. Bah, ça. Allez, à chaque fois, je vais me faire défoncer. Je vais me faire tuer si je le rate. Oh non. Donc. Voilà. Ah, celui-là, j'aime bien. Ah, un nouveau truc. Le manuel. Le manuel du créateur. Merci pour votre achat. Ton pack appareil de 2024 creepers. Oh non, ça est tout écrit en anglais. C'est un manuel. C'est une bombe, je pense. En fait, on va devoir désarmer une bombe. Je suis sûr que c'est ça. Je pense qu'on aura un temps limité. Donc, je vais d'abord lire le manuel. Si par accident, t'allumerais ton appareil, tu peux simplement couper le fil dans ces trois critères ci-dessous pour arrêter le cooldown. Je vous avais dit quoi? Donc on va d'abord lire et après on va faire le truc. Parce que sinon on est mort. Le fil correct passe au-dessus ou en dessous d'exactement trois fils. Le fil juste termine trois places à côté de là où il commence. Le fil correct n'est jamais sur le plafond. C'est parti. J'ai 60 secondes. Ok. Let's go. Il faut qu'il passe trois fois. Oh, c'est stressant, finesse. Alors, 1, 3, 4. Le bleu, c'est mort. 2, c'est mort. C'est pas vu. Ah, si, 3. 1, c'est mort. Le rose, il passe au-dessus de 1, de 2, de 3, de 4. Non, c'est mort. Le vert, 1, 2, 2. Il me reste 15 secondes. Il faut que je coupe le bon. Le bon, c'était le violet. Non, c'était pas le violet. C'était le bleu. Le bleu, allez. Eh ben, c'était pas le bleu. Ok, c'est reparti pour un tour. Donc, le bleu, c'est... Il passe au-dessus de 1, de 2, de 3. Bizarre. Ah, mais c'est parce qu'il est jamais au sol. Je me suis fait avoir comme... Il faut que je monte, en fait. Oh non, c'est stress, c'est horrible. Il a 3 places de là où il commence. 1, 2, 3... Oui, c'est ça, c'est l'orange. Vite. Et c'est stress, c'est horrible parce que t'arrives sur le sol et en fait il te dit ne jamais faire sur le sol. Sauf que moi j'ai traduit ne jamais faire sur le plafond. Ah, et c'est stressant, punaise. Une chambre monstrueuse. Yes, on va devoir tout monter, je crois. Ah bah. Oh non, le glitch. Oh, c'est pas gentil. Voilà, merci pour. Je me croyais trop malin. Ok. Ah. Run the gauntlet. On va devoir passer au-dessus de tout ça. En vrai, j'aime bien ces styles. On arrive dans une salle, je sais pas ce que c'est. Ah, là, ça va être un peu plus dur. Ok, bah j'ai réussi à skipper le truc.
Ah, là, ça va être plus difficile. Bah voilà, hein. C'est assez simple. Je crois que je vais devoir faire tout le tour. Là, par contre. What? C'est quoi ça? C'est pas la même chose, ça. Ouais, ça va être dur. Eh, c'est violent. Oui, non, mais c'est un Death Run, le truc, en fait. Si je me mets au centre, là, sur chaque truc, je suis pas censé prendre de dégâts. Oh, wow. Mais c'est pas possible, en fait. Non, j'étais... J'aurais dû courir. Orange, vert, bleu. Ok. Ah, c'est bon, hein. J'ai l'impression que ça va être... Là, je suis mort. Il n'y a pas d'autre truc, là, je suis mort. Non, mais c'est vraiment un Death Run, en fait, le truc. Ouais, j'adore. Non, non, non. C'est bon là, non? Ok, bah voilà. Et maintenant, allez, bah c'est parti pour marcher sur la glace. Hein. À faire. Dormir. Sortir les poubelles. Faire un meilleur truc à faire. Un tableau à faire. Faire une map avec un temps infini de jeu. Un temps infini de jeu égale une compagnie infinie. Et donc tu n'es jamais seul. D'accord. Regarder des vidéos de Chaffen. Les backups et les archives. Eh mais je crois qu'on est en haut, hein. Ah ouais, on a fait la cité entière. Bon bah là, je crois qu'on va devoir monter la chaîne. En vrai, c'était une branche assez rapide. Donc tu es passé à travers mes pièges, tu es sorti de ma prison. Et bravo, bravo, tu as fait la première dimension parmi les 146 que j'ai fait pour mes escape branches. Tu as gagné l'Ancien juste pour quelques semaines. Ah, c'est corrompu. Il faut sortir de là. Il a dit, maintenant, il faut sortir de la pièce. A few moments later. J'hallucine en fait. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, à ce que j'ai compris, il voulait me faire me faire sortir, me faire échapper encore d'une pièce, celle-là, pour me donner la laine. Et il y a l'Iron Golem qui est passé par là et qui m'a donné la. Mais pourquoi il y a la musique de Ouais. Ah, ok, c'est parce que. Ouais, bon, c'est trop compliqué à expliquer, c'est trop bizarre. Bref, donc on va mettre la laine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. À la fin, j'ai rien compris. C'est pas grave. Et n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire. Bref. À la prochaine, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À plus. Ciao.